Bonjour à tous et bienvenue dans notre première vidéo. Je suis Teddy Rioufré de l'entreprise Jouffré de Rio. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, les activités de Jouffré de Rio en agriculture gravitent autour des semences, fourragères, luzernes, plantes utiles, mais aussi des solutions, additifs du sol, biocontrôle et adjuvants. En suivant nos vidéos, vous allez donc découvrir des informations pertinentes sur ces activités à travers des conseils avisés, de nouvelles connaissances et aussi des retours d'expérience. En plus des expérimentations externes que l'on peut suivre auprès de distributeurs ou de prescripteurs, Jouffré de Rio se repose sur trois supports différents que vous allez découvrir maintenant. Le premier, ce sont ses stations de recherche. Le deuxième, ce sont ses expérimentations sous forme de pôle expert. Et enfin, nous terminerons par la présentation de nos partenariats avec des agriculteurs référents. Chez Jouffré de Rio, nous avons deux stations de recherche, une située proche d'Orléans et une située proche de Poitiers. Ces deux stations de recherche ont pour vocation la sélection semences, que ce soit en fourragère, luzerne ou plantes utiles, mais également à vocation d'expérimentation sur les solutions avec les biocontrôles, les adjuvants, sous tunnel et avec bande pulvérisation. Sur la centaine d'hectares que représentent ces deux stations de recherche, Jouffré de Rio observe jusqu'à 60 000 microparcelles et jusqu'à 10 000 plantes. La deuxième source de référence pour Jouffré de Rio, ce sont ses pôles experts. Pôles experts qui sont des expérimentations en micro-parcelles réparties sur toute la France et pour chacune des activités de Jouffré de Rio, que ce soit en semences ou en solutions. Ces pôles experts sont consacrés à l'étude de nos produits existants ou futurs dans des contextes pédoclimatiques très différents afin de voir leur viabilité et leur positionnement au plus proche de vous. Enfin, le troisième support expérimental pour Jouffré de Rio, ce sont ses partenariats avec des agriculteurs référents. Ils sont répartis sur toute la France et sur tous les domaines d'activité de la société. On travaille surtout en grande bande, sur de grandes surfaces et avec les pratiques agriculteurs. L'objectif est de faire évoluer ces pratiques vers le mieux, vers ces objectifs d'amélioration et de nous progresser aussi et de construire le futur de nos produits. Je vous invite donc dès à présent à suivre nos futures vidéos qui vous apporteront énormément d'informations sur tous ces sites expérimentaux et vous apporteront de nouvelles connaissances, des conseils avisés et surtout des retours d'expérience. À très bientôt !